$100 bill from Taco Man saying, kill him tight. Ça va être le mot de ce soir pour ce stream tout à fait nucléaire et impromptu. Je profite d'être cloisonné à la maison, prisonnier, abandonné, hié, comme un pauvre petit chaton que sa maîtresse aurait abandonné pour le week-end. Tout ça parce que je suis malade, complètement malade. Mais en fait, on va rigoler les amis. Puisque, du coup, j'ai décidé de vous abreuver de schmup jusqu'à ce que vous en meuriez, ou que vous en meurirez. Enfin bon, inventez l'expression ici, moi je suis à 50% de mes facultés cérébrales. À cause de ce damné, non, ce n'est pas la grippe. À cause de ce damné, non, ce n'est pas une gastro. À cause de ce damné coup de froid tout con, qui vient de s'installer confortablement, et je vous laisse partager les joies du mouchoir, pendant que j'ai les mains qui sont accrochées à autre chose que le joystick. Alors, aujourd'hui, quelle petite merveille allons-nous nous mettre sous le pad? Eh bien, on va parler de Kitsui. Alors, Kitsui, attention, il y a un nom à rallonge, ça c'est le petit nom pour les intimes, genre tu fais le mec, ouais, non mais moi je l'ai fini avec un crédit sans problème, en tenant la manette à l'envers, et en plus je faisais une ratatouille à côté. Non, Kitsui Kizuna Jigo Gutashi, de son nom complet, est un shmup, et un shmup de pas n'importe qui, attention, c'est plus qu'un gros indice quand je vous dis que c'est Cave qui l'a fabriqué. Donc forcément, si je vous dis shmup cave que je vous ai teasé avec du manic shooter, c'est qu'on va adopter le mode bonjour, ce soir j'ai mis ma petite tenue en cuir et j'ai envie de me prendre une grosse fessée. Et oui, à non point douter, on est en plein milieu d'un gros manic shooter et qui est assez énervé puisqu'il n'est pas vieux, il date de 2003. Alors 17 ans, enfin 15 ans, ça peut faire pas mal pour certains. Mais en fait, c'est pas grand chose, puisque le shmup, tout à fait entre nous, il a pas trop évolué depuis tout ce temps. Alors zoup, je prépare le petit message Twitter pour les retardataires et les têtes en l'air, hein. C'est habituel, vous êtes entraînés avec ça. Pif, paf, pouf, j'ai pas lancé ma main avant, parce qu'il a tendance à planter quand je fais autre chose, je sais pas pourquoi. Une histoire de choses vidéo. Et on s'envoie ça dans le cornet d'ici quelques secondes. Hop, boum, 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 boum. Roule ma poule. C'est y part. Un coup de mame. Allez, un coup de mame, soyons fous. Alors oui, moi, j'ai pas les roms originales de toutes ces choses. C'est un luxe que je ne peux point m'accorder. Ceci dit, quand on voit le job qui a été fait sur ce soft, ben, en fait, il est vraiment sympatoche. Hop, on voit la purée pépère. Implantage, oui, ben parce que implantage en début de stream, en général, c'est super important. Puis c'est toujours plus agréable qu'en milieu de stream. Quoi. Sur ça, tout le monde sera totalement d'accord. Allez, hop, envoie-moi mon Kitsui Kizuna, s'il te plaît. Oh, que tu es gentil. Oui, je sais. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. J'en profite pour vérifier le stream une dernière fois. En priant que ça ne va pas planter. Ce qui serait une bonne chose. Le stream est juste parfait coton smooth. Bon, bah dans ces conditions, on va se faire plaisir. Petit dernier détail que je vais régler, c'est le son, que vous n'ayez pas mon retour, parce que vous allez souffrir. Hop, hop, hop. On est prêt, on est bon. Ça va envoyer du gros. Alors, pour la petite histoire... Bah, ça fait partie de cette génération de shmup, vous allez reconnaître le style, hein. C'est très inspiré, donc forcément, même la disposition des ennemis vous rappellera forcément d'autres titres. À ce niveau-là, les éditeurs se cassent pas trop le fion, comme on dit régulièrement. Ils prennent la recette qui marche, et puis on voit la purée. Ceci dit, ce soft a son charme, parce que graphiquement, bien qu'un petit poil anguleux, bah, y a un bon boulot, ça a de la gueule. Et en plus, niveau pattern, là, on touche au... Bah, je vais boire un coup, parce que je pense que j'aurai pas le temps de tout le stream après. Je crois qu'il n'y a pas de pause entre les niveaux. Ce shoot, normalement, va me tenir en haleine. Il y a un autre truc que je vais préciser avant de lancer le jeu. Je vais mettre 99 crédits, parce que vous allez en avoir besoin. Je ne suis pas un super player, moi.
C'est que la hitbox du vaisseau est toute petite. Alors, sauf erreur de ma part, je ne l'ai pas encore déterminée, parce que j'ai fait qu'une partie hein, pour essayer. Il me semble, s'il veut bien arrêter de bouger. Monsieur, monsieur! Enfin, il me semble que c'est la zone centrale au niveau du rotor. Et c'est un truc, ça doit faire, allez, on va dire, 5 poils de chameau, quoi. 5 pixels. Voilà. Donc, vous étonnez pas s'il y a des moments où vous allez me voir passer entre des boulettes en vous disant, mais là, il s'est pris la boulette dans la gueule. Non, la hitbox est particulièrement étroite. Ce qui n'est pas un défaut parce que vous allez voir, niveau boulette, ben, ça a été fait en gros. Hein. C'est le modèle colonie de vacances. Là, on peut servir, je sais pas combien de services, mais on peut faire midi, soir, et le lendemain matin, et encore le midi et le soir du lendemain. C'est assez sauvage. C'est parti. Choix de vaisselle. Alors, vaisselle, j'ai soit celui qui spread son shot, donc qui tire dans tous les sens, soit celui qui tire un peu plus concentré. Moi, je vais être prudent, je vais prendre celui qui arrose un petit peu, parce que vu que je ne connais pas particulièrement le titre, ça sera peut-être une douleur en moins pour moi. Je vais peut-être baisser un poil le son du jeu pour ne pas avoir à hurler. Et feu. Youhou! Donc ouais, la disposition tout de suite, vous reconnaissez d'autres titres et on ne peut pas vous le reprocher puisque c'est exactement ça. Le soft va pas chercher à trop lever, là il n'y a pas besoin. Même fonction dans les titres habituels cave, hein. On garde appuyé, hop, on a un tir concentré qui est locké en plus, ce qui est avantageux. Et qui permet de ralentir un poil le vaisseau pour passer entre les boulettasses. Parce que des boulettasses, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est juste au premier niveau, hein, je vous le rappelle. Il y en a un petit peu beaucoup. Genre, monsieur est très généreux, il a eu de la promo, c'est le week-end, la viande allait pourrir dans le frigo. Hop, il s'est dit, je vais lui en mettre plein la gueule, mais ça, il le saura après. Pour l'instant, je lui fais le premier niveau, il a le droit d'y croire. Save me, save me. Yes, no. Attends, laisse-moi passer le premier niveau sans mourir, ce serait super sympa. J'aurais pas l'air d'un handicapé notoire. Ah, ça fallait pas faire ça. Ça c'est mal, ça c'est mal. Jamais se laisser envahir sur les côtés. Alors pour l'instant, le pattern c'est en mode smooth. Hein. Là, on a des loups gentils. Je me mets même une bombasse, tu vois. Alors faut savoir que les bombasses, après, quand je vais avancer dans les niveaux. Bah, il va arriver fréquemment que je me retrouve acculé, comme on dit, avec un rat. Et donc, que je sois obligé de passer une quantité de bombasses indécente. Genre là, j'en passe, bon, c'est le début, je me permets, je vais en rechoper de toute façon. Mais plus loin, je vais tomber forcément en panne de bombe. Ça va être le drame. Salut gros! Ça plane? Ouais, j'aime ça. Super. Et dommage, à faire tout le con, il arrive forcément des problèmes à un moment. Alors, à qui s'adresse Ketsui? Bon, bah, déjà, si vous voyez la gueule de l'écran, et là on est en mode soft, hein, pour le tableau, tranquille. Ça s'adresse peut-être un peu à des gens qui ont envie de se taper des bons gros plats de boulettes bien consistants, c'est-à-dire qui sont fins, de physique, hein, qui ne pèsent pas plus de 40 kilos. Qui se disent ce week-end je veux mourir un coup de boulet. Là ils vont être relativement sains. Ce week-end gros. Jusqu'ici tout va presque bien. Je mets une pause là. J'ai le mec qui gratte, je me mouche. Ouais, premier niveau sans me faire démonter, je suis content. C'est pas tous les temps que je sors un stream où j'ai pas l'air ridicule d'être dans un jeu. Donc ouais, ça s'adresse vraiment à des gens qui ont envie de se faire des petits challenges slalom entre les boulettes. Sachant qu'une fois que vous maîtriserez le jeu, personne ne vous empêche d'essayer de le faire sans utiliser la moindre bombasse. Et là, ça devient carrément hyper sport. Je vous garantis que malgré la hitbox qui est toute rikiki pour votre choix de vaisseau, il y a un niveau d'anticipation qui est assez élevé. En plus, là, de surcroît, je ne sais même pas si l'émulation n'est pas un peu plus rapide que la borne d'origine. Allez savoir. Je pourrais pas vous le dire parce que j'y ai jamais joué en vrai sur le bord.
donc là je profite des joies d'émulation qui me donnent accès à ce merveilleux monde qui pourrait me rester inconnu. Mais voilà, ça s'arrête là. On va calmer un peu le jeu là, parce que lui il va s'énerver aussi. Allez, dégage. Il me saoule. Je vous l'avais dit, c'est tendu. La Xbox c'est toute petite, mais il y a des fois on passe, c'est du 2 pixels. On passe à 2 pixels par exemple. J'ai mal. Ah, j'ai très mal. Ah, je souffre. Ah, j'ai le couiné. La bombe. La bombe à objet. Il me faut la bombe. Il y a un moment, on sait. Et on est là. En fait, le défi du jeu permanent, c'est de ne pas appuyer sur la bombe pour s'attarder. Parce qu'on sait très bien que si on passe cette rangée de boulettes, la prochaine sera encore plus sévère. Et du coup, on essaie d'économiser ces bombes. Mais c'est juste une tragédie. Ah, là, j'en ai besoin. Parce que je parlais, je suis complètement descendu concentré. Sa mère. Le paradis d'enfer. Mais je vous fais pas un stream trop dégueulasse, hein. Je vous signale que je suis toujours pas. C'est bon, je suis normal. Je suis mort là. Je suis super mort. Faut nettoyer un peu, c'est dégueulasse. C'est chaud. Ah, la super forteresse. Mais que serait un jeu vidéo sans la super forteresse, hein? Je pose la question. Attends, on va calmer le démarrage, toi, parce que... Déjà, tu vas bouvoyer, hein, avec tes gros pneus, tes gros chenilles. Wow. C'était pas l'endroit, c'était pas la safe zone. Comme un débutant. Eh, hey, monsieur, monsieur, monsieur. Ouh. Non, 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 non. On peut, il me cible, il se pose, il me cible. Ok, on va faire cette tenue. C'est pas fini, le dessert. Qu'est-ce que ça va être ces patterns de braquure qui va m'inventer? Je ne sais pas. Si, je suis en train de découvrir, je suis très content. Ah oui, c'est sympa, ça sur le côté carrément. T'es courant que j'ai pas d'armes pour me défendre sur le côté, gars. Ah, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on profite. Ok. J'ai envie de passer une bombe là quand même. Oui, à un moment, faut s'arrêter, monsieur. Alors il y a certains boss apparemment qui sont plutôt longs à dégommer quand vous connaissez pas la technique. On vient d'en avoir l'exemple. Je pense qu'il est dégommable beaucoup plus rapidement quand on connaît la façon dont il est gommé. Enfin, moi je fais ce que je peux déjà dans mon stream, hein, vous voyez bien, on pourra se contenter de ça les gars. Tout ça pour vous dire que ce petit jeu est un chouette shoot quand même. Parce que une fois que vous l'aurez complété, comme je vais faire ce soir, c'est-à-dire pour regarder ce qu'il y a, merde. Regardez ce qu'il y a comme bestiole, le pattern, regardez comme ça fonctionne tout simplement. Ouais, vous allez super avoir envie de le refaire en mode sparring. Ou petit défi à la con, genre le one crédité d'abord, et puis après, commencer à faire des points là où on peut en faire. Il y a plein de choses à faire pour s'amuser de ce jeu. Et il a une rejouabilité qui est relativement intéressante, puisque avant de le maîtriser totalement, je vous garantis que vous allez y passer quelques plombs là. Là, je fais semblant de maîtriser, mais je vous garantis que je suis pas fier dans mon film. Ça m'a pris de bordel. Oh, on se calme un peu, là. J'ai bien le sympa, mais je pourrais pas inviter tout le monde. Il n'y a pas assez de place dans la maison, là. In extremis. Il n'y a pas de moment pour respirer dans ce jeu. On enchaîne, pipipi, pipipi, on s'arrête jamais. Si en plus t'as la chance d'arriver à parler sur le stream, tant mieux pour toi. Voilà, des putains, tu dis des conneries, en plus tu meurs. Ah, chaudard. Mais bon, c'est pour ça qu'on les aime, ces shoots. On va pas se mémorer, hein. Non, c'était pas du tout le moment. Voilà. Alors toi, tu dégages. Et là, c'est le centre qu'il faut que je dégomme rapidement. Hop, pardon madame, je passe, ça rien ça. Je te mets une deuxième bombe, hein, tant qu'à faire. La première tire la boulette, la seconde la coupe avant qu'elle ne se rétracte.
Comment ça, c'est recopié sur quelque chose, un message publicitaire? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous allez inventer? Au niveau lisibilité, il y a des moments, c'est un point de limite. Alors, ça peut être rouge et bleu. En formation, il y a des moments où vous êtes un peu regardé. Là, on arrive sur les tableaux où je vais bouffer de la bombe à la chaîne. Parce que vous avez vu quand même comme l'écran est rempli. C'est pas moi qui exagère, qui fait exprès d'attendre des bestioles. L'écran est bel et bien rempli comme une grosse cochonnerie. Merde. Hop. Fausse manie normal. C'était juste un drame. Je crois que j'ai coupé le son. J'espère qu'il passe toujours dans le stream. Parce que là, j'ai pas le temps de trop réfléchir aux parties techniques. Pour être tout à fait honnête. Oh, trois bombes. Ça va être juste ce qu'il faut. Alors, monsieur, attends, attends, monsieur. Monsieur, on avait dit. Les invités d'abord. Monsieur, monsieur. Alors, votre serviette autour du cou. Hein, voilà, vous la nuez. Vous prenez la cuillère, la chourfette. Oui, que j'aime pas ça. Ou que j'aime pas ça. Non, c'est passé pas là, monsieur. Oui, il ne me reste plus qu'une bombe là. Je vais pas aller très très loin. Oh. Et ça passe quand même. Et ça passe toujours. C'est comme la fameuse phrase « Love will find a way ». Et bien dans les boulettes, c'est un petit peu pareil, tu vois, il y a toujours un moyen de passer, juste anticiper. Restez zen, ne pas s'affoler. Il y avait un début de joli, mais je l'ai un peu foiré. Et c'est ça, mais j'étais en train de récupérer les bonus, c'est pas gentil, je vais te mettre une bombe d'entrée de jeu, tiens. Dans ta gueule. Salopard. Wapa. Wapa papa. Ça passe pas, ça passe pas. Putain. Tranquille, tranquille. Jamais de stress. Jamais de stress que du bonheur. Donne-moi ça. Comment ça, tu vois plus rien? Moi non plus, mais hop, je simule. Je suis où? Je suis où? Tu es la nièce de pixel en bas qui va exploser. Écoute le bruit. Boum. Putain. Il est terrible ce jeu. Et une bombasse, pour tourner les yeux là, parce qu'il m'a l'air un petit poil à cran. Et c'est dommage, à son âge, il pourrait nous faire une serre. Au revoir monsieur, merci. T'as passé combien de vaisseaux toi? J'ai bouffé au moins 4 vaisseaux rien sur ce boss. On ne se débranle pas, on continue, on y retourne. Et là maintenant, ça va être une autoroute jusqu'à la fin. Plus aucune difficulté, regardez-moi ça. L'écran est vide, plus aucun ennemi, les tirs, c'est des caresses, de l'amour, des poètes, des poèmes. Je vais bomber là les gars, je vais bomber si vous continuez. Ah non mais à un moment faut arrêter. Donne-moi ce bordel. Une maman Android, il retrouverait pas ses petits chatons Android. Faut pas arrêter de balayer en fait. De gauche à droite, de droite à gauche, parce que l'écran est saturé en fait à une vitesse, c'est ça qui perturbe dans ce jeu, c'est la vitesse à laquelle l'écran se fait remplir. Là, je me suis fait un peu surprendre parce que j'hésitais entre le tank sur le côté et le gros babu qui va m'ennuyer avec ses patterns très plein de calories et de boulettes donc. Non, je n'ai pas. J'ai plus de bombes les gars. Non, oh, bah ça tombe bien. Il y a un demi-boss qui arrive. Il va t'expliquer pourquoi ça tombe bien. Je suis content de pas avoir mouché en plus là, parce que c'est juste pas possible. Chers amis, je fais mon... ce que je peux hein, pour... Donc ça, j'ai plus de bombe. J'ai plus de bombe de toute façon. Donc là, je suis condamné à faire du slalom. Et l'autre, on voit que sa barre de vie, je vais rayer même gauche, je pense. Ah, là, il est un peu pris quand même. Mais bon, il a tendance à un poil se foutre de ma gueule, j'ai l'impression. Oh, putain. C'est pas terrible. Alors ça, essayez de choper un super play sur YouTube. Parce que je pense que ça doit être impressionnant par un gars qui connaît le jeu.
et le maîtrise totalement assez pour en faire un petit peu ce qu'il veut. Merde, j'ai changé de vaisseau. Voilà. On va se calmer, les amis. Eh non, mais non, je suis pas venu pour la soirée déguisée. Pas du tout. Ouais, j'étais là pour un stream à la base. Sur un jeu avec des petits animaux couleur pastel, là. C'est une chose. Bon, hein, vraiment. Putain, ça va être l'enfer et ce tir là sur ce niveau. Je veux sortir. Non, je ne resterai pas. Non, mais même si on me fait pas payer, je m'en fous. Vous avez vu l'accueil? Hop, j'arrive, je te tire dessus. Et toi, t'es là, tu sais. On pourrait être amis. Rappelle-toi, nous pourrions être amis. C'est un peu comme ces gardes religion où les gens sont là, ils se mettent sur la gueule pour des trucs. Qui déjà, niveau crédibilité, ben, sont pas trop fondés, mais bon. L'homme adore se mettre sur la gueule avec son prochain avant de dire qu'il pourrait être accueillant. Et on se retrouve dans la même situation. Ah, putain, faire de la philosophie en jouant un shmup, c'est juste pas possible. Meurs, 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 peste de l'espace. Et là, vous voyez, on a déjà du racisme direct. On éduque aux enfants, on inculque aux enfants. On leur apprend à avoir peur des choses de l'espace. Alors qu'est-ce qu'elle voulait faire avec cette boulette? Elle voulait juste remplir mon écran qui était quand même monotone et morne. Sérieusement, regardez-moi ça. J'ai dégommé vraiment très bien, parce que je regardais même pas où je tirais tellement j'étais occupé à slalomer dans les boulettes. Je suis parfaitement net. Je vais pas m'inventer des excuses qui ne sont pas. Je regarde uniquement le bas de l'écran. Je ne regarde même plus en haut. C'était pas ça. Non, ça j'en veux pas. Les tirs latéraux. C'est un truc mieux vaut éviter. Je ne suis pas très adepte. J'arrive à passer celui-là, mais ça sera le seul, je pense. Mais maintenant, tu fais des variantes avec des inclinaisons. C'est sympa. Tire plus vite. Tu peux tirer plus vite. Non, 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 mais c'était une connerie. C'était pour de rire. Faut pas tout prendre au pied de la lettre. Moi, je serais pour que tu meurs là tout de suite maintenant. J'ai plus de bombes. Ah, bah, je vais en revoir. C'est ça tout qui va me sauver, de revoir des bombes. Alors, tes potes là, qui passent sur les côtés, qui balancent des boulettes qui tirent horizontalement. Tu me donneras les noms, prénoms, tout ça. Oui, mets une deuxième couche, vas-y. Je suis totalement d'accord. Ça va très bien se passer. J'aspire un peu, monsieur. Il me laisse pas vraiment le temps, le dos. Hop, 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 hop. Ouais, c'est là, je me suis bien mis dessus. Hein. Ah, un des avantages du jeu, quand même, on pige bien dans les matrices, c'est... Il y a beaucoup de jeux qui sont faits pour pas vous viser directement, mine de rien. C'est bien foutu. Merde, il reste au milieu. Oui, c'est bizarre hein, quand vous passez au milieu des trucs, là, mais... Je veux pas crever. Ça fait des heures parce que... Mais quand même une manifeste bonne volonté à essayer de lui éclater la tête. Mais lui il veut pas. C'est une bombe, même pas. Finiment, c'est ça le plus. Non, 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 comprends, oui, 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 il n'y a rien à faire, c'est du carbone. Monsieur, mais moi, laisse-moi dans une position sympa pour démarrer, parce que là, je chie un peu. Voilà, tu vois. J'ai raté. Oh, putain. Plus j'ai payé. Le rire nerveux des chemins quand tu es acculé dans une position où tu sais que tu vas mourir. Ouf, là, il faut la mouchoir, par contre. Monsieur, on meurt là, c'est l'heure non? Eh, il me semble hein. Vous avez pas vos enfants à choper à l'école? Ah ouais, ah ouais, va-t'en. Je ne te revois plus jamais, petit sacripant. Hein. Je t'ai laissé croire un peu parce que je suis sympathique, mais. Voilà. Oh putain, mouchoir, vous dites pas ou pas? Non. Pas de mouchoir. Vous allez m'entendre renifler jusqu'à la fin du stream, je préviens. Alors c'est de la politesse hein, de prévenir.
Maintenant, ça n'empêchera pas que vous allez m'entendre renifler dans la salle tout le long du stream jusqu'à la fin de ce niveau, parce que j'ai pas le temps là. À moins que quelqu'un veuille se déplacer, j'ai laissé la porte ouverte, vous avez juste à pousser si vous voulez jusqu'à la maison. Et y a pas de souci, vous serez bien accueillis, y a un robot à l'entrée. Là, voilà, ça c'est le dernier niveau donc. Et c'est le passé sans une bombasse, je sais pas comment les gens peuvent faire. Moi j'ai pas le temps de comprendre, parce que ça va relativement vite, donc mon cerveau n'a pas interprété toutes les patterns qui s'entremêlent. Et en fait c'est juste l'entremêlement des patterns, elles ne sont pas super compliquées. Mais si on se laisse déborder et que ça vient à gauche, à droite en même temps, c'est foutu. Très putain. Non, ça va pas me faire rire. Quelle sinécure, c'était le mot à utiliser du soir. Ah. Alors le peu de temps où on a la bombasse, on en profite. Hein. Vous pouvez me croire, parce que c'est mérité. Oh. Putain, mais laisse-moi respirer. J'ai pas le temps de respirer. Tu m'étouffes. Tu tues ma liberté. Je veux une bombe, s'il vous plaît. Je peux pas, là. J'ai peur. Allez, on va faire un peu de ménage. Parce que là, c'est franchement saturé cet écran. On ne sait pas où poser son vaisseau. Et on va arriver donc sur le gros babu. C'est le dernier. Ouais, ben ça va, on va vite le comprendre. S'il me fait mourir à une fréquence totalement indécente, c'est que c'est réellement le dernier. Apparemment, les patterns sont désignés pour mourir. Est-ce qu'on montre à ça? Alors, je rappelle que niveau émulation, je me demande si je suis pas un poil plus rapide que la robe. Mais c'est vraiment un poil. Vous avez bien vu hein, quand même que la Xbox c'est 5 pixels qui se bouffent le cul sur mon cockpit. Le jeu est faisable, mais ouais, il faut avoir les bonnes conditions pour parce que. C'est pas facile de se poser dans tout ce bordel. J'essaie de réfléchir à une anecdote rigolote à vous dire en même temps, mais je la trouve pas. Bon, j'essaie juste de survivre en fait au milieu du bloc, mais ça je ne l'avouerai jamais. J'ai ma fierté moi aussi. Quoi, tu es mort? Pour de vrai? Tu ne reviendras plus jamais? Ah non, mais le jeu n'est pas fini là-bas. Ah oui, je vois ça. Eh, tu pourrais m'envoyer des rideaux de boulettes carrément? Ce serait plus simple. Monsieur. Vouloir faire mourir quelqu'un à ce point-là, j'ai rarement vu ça dans un jeu. Ouais, ouais bah, j'avais cru que je pourrais me faire filer dans tout ce fatra, mais. Apparemment, ce n'est pas le cas. C'est chronique, hein, le fou rire. Vous êtes là, il y a un stade où vous faites. Ça passera pas, mais. C'est tellement ridicule que j'y vais. Hop, 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 reviens-toi. Les gars, va falloir arrêter. vous êtes méchants là. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? J'ai appelé des pains au chocolat des chocolatines, c'est ça? Je sens une certaine haine. Oh, voilà. Bon, je cherche sur YouTube, c'est quelqu'un qui me passe sans utiliser une seconde. Et je me permettrai quand même un petit loot. À moins qu'il y ait vraiment des safe spots, mais calibrés aux petits oignons et que le gars ait plus le temps de tous les décoller. Merde! C'est cadeau, c'est offert par la maison. Hop, 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 hop. C'est tendu. Il y a des petits tirs bleus là, qui vont à fond la caisse, c'est assez rigolo parce que il nous fout bien le stress.
J'ai plus de bombes, ma peau. Les boss vont arriver. Ouais. Jack qui arrive jusqu'au boss. Veux-tu bien mourir, petit sacripant? Traduction littéraire de... d'une œuvre qui commençait par la crever dans sa salopard. Il tire encore alors qu'il a le moteur dommagé. Deux bombes pour dégommer même pas un demi-boss. On va chercher l'erreur. Non. Les trucs bleus, on a vu, ils vont très vite, c'est chouette. Mais personne ne les aime. Et non. Ils ont pas d'amis. Un peu comme dans Wayne's World, quoi. Bon, on va dire c'est le boss final, hein. Et on va en avoir pour 10 minutes d'arrosage de boulettes. Si les boulettes étaient une plante, elles seraient beaucoup, beaucoup arrosées, quoi. Ça vient de tous les côtés, mais laisse tomber. Moi, je fais comment pour trouver une gâche, là? Bah, dis donc. C'est ça, prends tes aises. Bah déjà, je vais te dire, tu vas vous voyez, ça se passera beaucoup mieux pour toi, parce que je risque de me mettre en colère. Et pourtant, le petit trou, mais il est vraiment tout petit pour se filer, c'est un carnage. Non, je peux plus, là. Monsieur, mourir pourrais-tu? Non, tu n'as pas envie, hein. Non, c'est moi. On sent quand même la machine qui a été faite pour être un bouffe-pièce. Parce que là, j'ai pas compté le nombre de crédits que j'ai mis. Continuer, mais c'est assez sauvage, quoi. Attends, je me cale, parce que là j'ai pas trop le temps. Non, mais là j'ai toujours pas le temps. J'ai passé toutes mes bombiches, j'ai l'impression. Je pense pas que je vais te one cred là tout de suite. Non, c'est passé pas là. Et je veux vraiment me moucher en plus. Oh, une nouvelle forme, il n'était pas totalement mort. Sinon, ça n'aurait pas été drôle. Oh la violence. Non, j'ai pas compris ce pattern, monsieur. Tu ne la refais pas, non, surtout pas. Je crois que j'ai arrêté d'inspirer dans le jeu parce qu'il est juste pas faisable. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolé, c'est humainement pas très possible. Non. Les patterns des tirs là qui reviennent par derrière, c'est juste improbable. Je veux pas, je sais pas où je suis, j'y arrive plus, je vais rentrer chez moi. Allez, tiens, prends les clés, finis-toi tout seul. Moi, je rentre à pied. Oh purée, quelle sinécure, ce truc. Donc voilà, Ketsui, un très bon jeu de shoot. Normal, c'est un cave, normal, c'est... étudié pour être pas original mais efficace dans le rendement, et du coup on se retrouve avec des murs de patterns, bah, comme vous avez pu voir, qui sont relativement impressionnants des fois. Et je rappelle, on a cet avantage de Lightbox qui est une boîte de 5 pixels qui se court après, quoi. Donc il y a moyen de moyenner, faut oser. Je suis désolé pour le bruit de mouchoir, mais bon, il fallait y passer. Ça fait un moment que j'en avais envie là. Donc ce jeu, je crois qu'il a été réédité sur quelques plateformes. C'était des vieilles consoles genre Dreamcast et compagnie, cette période là, donc 90-2000. Ben non, pas 90-2000, qu'est-ce que je dis comme connerie, le jeu est de 2003. Donc il a été réédité, oui, ben, je sais pas, regardez sur le net tout simplement, ça m'évitera de dire des conneries vu que je ne suis pas documenté. Mais je crois qu'il a été réédité. Mais sinon, comme d'habitude, bah, faites comme moi. On chope la robe. Et on se fait plaisir un petit moment. Ceci dit, à ce très bon jeu,
ne ferait pas du tout tâche au milieu de des saloperies qu'on voit aujourd'hui, de shmup que certains éditent en croyant réinventer la poudre. C'est vraiment à vous recommander. Sur ce, je marque mes initiales car je suis très fier d'avoir passé l'équivalent du PIB du Congo pour faire tous les niveaux d'un jeu. Et je pense que ce week-end, on va encore se streamer pas mal de jeux. Parce que je suis cloîtré à la maison. Et donc, j'ai encore plein de ROM que j'ai pas essayé. Ça me fait plaisir de les explorer avec vous. Des fois, on tombe sur des merdes. Alors, je vous préviens, normalement, dimanche, je me réserve une journée où je vous fais tous les shmups de merde. C'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est qu'ils sont tellement vieux pour une personne de l'an 2000, quoi, active. Ça va être difficile à comprendre qu'à l'époque, les mômes qu'on était, nous, s'éclataient sur ces jeux-là. Mais j'essaierai de vous refaire un peu de mise en contexte. Pour vous faire voir qu'un jeu complètement con, pas très joli, qui fait piou piou piou, qui de surcroît est lent, et en plus a un gameplay pas super, bah mine de rien, ce jeu-là faisait peut-être partie de toute cette génération qui a posé les bases de ce qu'est le shmup aujourd'hui, dans toute la largeur du terme. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous rappelle que sur un canal voisin, vous avez l'AGDQ, donc c'est des gens qui font des speedruns. Et les dons qui sont récupérés sur le stream sont reversés aux associations contre le cancer. Donc AGDQ, hein, vous cherchez dans le stream voisin, vous tomberez forcément dessus. Il y a des trucs très rigolos. Hein. D'ailleurs, je rappelle à la demoiselle qui a fait le speedrun sur Dark Souls, si elle veut m'épouser, c'est toujours valable. Mais à partir de 23h59, je me transforme en autre chose. Voilà, des bisous, à demain pour des nouveaux streams, des boulettes et énormément de conneries en commentaire. Mais ça, vous ne seriez pas là si vous n'aimiez pas. Je vous aime. Ciao.